le monde, c'est Chakwa, vous allez bien? Moi ça va, je fais un petit checkpoint vite fait. J'ai pas grand chose à dire, c'est vraiment juste pour annoncer 2-3 trucs. Une petite mise au point et après tout c'est à ça que sert le checkpoint. Putain, faut vraiment que j'aille chez le coiffeur. Oui, il m'est arrivé une mésaventure avec ma coiffeuse. Tout se passait très bien avec elle. Claire, elle s'appelait Claire. D'ailleurs, elle s'appelle toujours Claire, mais on y reviendra. C'était vachement fusionnel entre elle et moi. C'est allé si loin qu'à chaque fois, elle me faisait un shampoing. Ouais, à chaque fois, elle me proposait un café. Claire, du salon d'en face, route de Toulouse, à Bègle. Tu étais une jolie coiffeuse, extrêmement douée, à l'écoute. Mais tu es partie du jour au lendemain. Sans prendre le temps de me donner ton numéro de téléphone ou un quelconque moyen de te joindre pour que tu me coupes les cheveux, bien évidemment. Et là, c'est la débandade. Mes cheveux, c'est du grand n'importe quoi. Je suis obligé de foutre une tonne de laque pour qu'ils tiennent. Je veux les raccourcir comme au bon vieux temps. Mais il n'y a que toi. Il n'y a que toi en qui j'ai confiance. Je peux rien faire autrement. Claire, reviens vers moi s'il te plaît. Donc pour commencer, ça y est, The Division est sorti, comme vous l'avez vu, j'ai déjà posté 9 vidéos, peut-être 10 ou 11 quand celle-ci sera diffusée, tout simplement. Alors autant vous dire que quand je l'ai reçu lundi, j'ai fait cette lettre. Parce que oui, je l'ai reçu lundi, comme beaucoup de gens, il y en a même qui l'ont reçu samedi sur ma chaîne, notamment sur ma page Facebook, on a vu que certains l'ont reçu samedi. Donc voilà, rien à dire, il suffit de regarder mes vidéos sur The Division pour savoir ce que j'en pense, c'est tout. Point très important de ce checkpoint, justement, demain, nous serons jeudi 10, et je vais avoir accès donc à EA Sports UFC 2 pendant 10 heures, au jeu intégral. Par conséquent, je vais faire, là avec vous, un petit briefing de ce qui va se passer sur la chaîne demain. Sur la chaîne ainsi que sur Facebook et compagnie. Ce soir, à partir de minuit, je vais regarder si le jeu est dispo. S'il l'est, je l'installe. Je me mets un réveil à 2h du matin pour être sûr qu'il soit bien installé parce qu'il y a quand même 20 gigaoctets, je crois, en tout. Et ce qui m'intéresse réellement, donc c'est de faire des let's play cette nuit. Je vais enregistrer ce que vous m'avez demandé. Je les publie cette nuit également, ainsi que demain matin, demain après-midi et ainsi de suite. Je vais peut-être même en garder pour les jours à venir. Et demain soir, s'il me reste des heures au compteur de disponibles pour jouer au jeu, à savoir qu'il y a 10 heures de jeu, je ferai un live sur YouTube à 21h. Donc rendez-vous demain soir, jeudi 10 mars à 21h sur ma chaîne YouTube pour un live sur EA Sports UFC 2 version intégrale. Bonjour. Toujours à propos de la chaîne, je voudrais faire un point donc sur le tuto gâteau que j'ai fait avec ma voisine Alice. Ça a très bien marché, il y a eu du succès, ça a été repartagé, j'ai réussi à toucher un public un peu plus féminin. C'est très bien, c'est très bien, c'est ce que je voulais et même, hein, c'est pas un monde interdit aux hommes, la pâtisserie. Voilà, vu le succès de la vidéo, je pense, très honnêtement, que je vais en refaire une. Quand je ne sais pas, parce que c'est un tournage qui a un coût, voilà, suivant les gâteaux ou les pièces qu'on souhaite réaliser, ça a quand même un coût qui serait limite l'équivalent du prix d'un jeu vidéo. Donc c'est pas rien, hein, mine de rien, surtout pour faire une seule vidéo. Donc on y reviendra, mais pas maintenant. Ce sera peut-être une par mois, voire un peu moins, je sais pas. Rien de calculé, on verra. Enter. Non. Ça va pas. Mon chien a voulu bouffer le chat. T'es sérieux là? Ensuite, un point film. J'en fais pas souvent, mais là je suis allé voir le dernier Disney, à savoir Zootopie. Et très honnêtement, c'est une tuerie. J'ai vraiment adoré. Dernièrement, j'avais adoré Vice Versa, je vous en avais parlé également. Ouais, c'était bien, c'était, je trouve, un film que les enfants ne peuvent pas comprendre, par exemple. Ou alors j'étais particulièrement con quand j'étais gamin. Mais j'ai pas particulièrement ri devant Vice Versa. Or là, devant Zootopie, bordel, mais j'ai passé ma séance à me poiler, quoi. Une semaine avant, j'étais allé voir Deadpool. Je me suis fait chier, je me suis endormi au ciné. Pour la première fois de ma vie. Et là, à contrario, je vais voir un Disney, quoi. Et là, révélation, mort de rire tout le long. Des références à Breaking Bad. Alors, je sais pas comment des gamins
C'est même plus des références. Je veux dire, le mec, le dealer s'appelle Walter et Jesse. Des gamins peuvent pas comprendre ça. Ou alors ils ont eu une enfance bizarre. Et bref, je vous recommande vivement ce film. Il vient de dépasser au box-office La Reine des Neiges, donc c'est dire à quel point il fait un carton. Je vous le recommande, très honnêtement, vous pouvez y aller les yeux fermés à tout âge, c'est un carton. D'ailleurs, il me tarde d'avoir les pop Zootopie. Là, j'ai les pop, un pop vice-versa, j'attends les pop Zootopie. Et surtout, le Blu-ray Zootopie, bien évidemment. Je le répète dans toutes les vidéos, mais depuis deux mois maintenant, c'est juste... Enfin non, depuis un mois, c'est juste la folie. La semaine dernière, on a passé la barre des 50 000 vues, et là, on est... Bientôt, on est bien 60 000, je crois. C'est venu, on a fait un carton en deux semaines. Juste un carton, c'est cool. Après, je ne fais pas ça pour avoir le plus de vues et tout, mais quand on fait des vidéos, on se rend compte qu'il n'y a aucune vue, on se dit, bon, on l'a fait pour rien, on touche personne, on fait plaisir à personne. Or là, quand on a des vues, autant de vues, on se dit, enfin, je suis encore à petite échelle, bien évidemment, mais on se dit, ouais, cool, mon travail porte ses fruits et des gens peuvent passer du temps devant et pourquoi pas prendre du plaisir devant mes vidéos. Et ça fait plaisir, très honnêtement, ça fait plaisir. Pareil pour les commentaires, toujours, chaque jour des nouvelles personnes qui viennent commenter, chaque jour aussi des récurrents qui reviennent, chaque jour qui postent. Ça fait super plaisir, ça m'encourage à continuer. Vos emails, pareil, sur Facebook, vous m'ajoutez et tout, c'est génial, franchement, ça fait... plaisir, ça me motive à continuer. Pareil, en termes d'abonnés, ça a explosé cette semaine. Enfin, c'est juste la folie. Bref, je vous remercie infiniment pour tout votre soutien. Ça m'encourage grandement à continuer. Et... ouais, quoi, je sais pas quoi dire, c'est génial. Merci beaucoup. Et bah, sur ce, passez une bonne journée. On se donne rendez-vous demain pour EA Sports UFC 2. Ça va être un putain de carton, je vous jure. Et aujourd'hui, pour The Division, on continue. Et voilà, c'est une semaine de folie. À tous, une bonne journée!